qu'on perd le 3-0, on a réussi à avoir les ressources mentales, techniques aussi, parce qu'on a fait un très très bon match aussi dans le jeu. On s'est créé des situations, donc on est revenu à 3 partout, c'est quelque chose d'énorme. Après une équipe de Ligue 2, faut pas l'oublier. Donc voilà, on a fait douter cette équipe, on a montré un très beau visage, on a fait un très bon match, un vrai match de Coupe de France. Et donc on peut être fier après les prolongations à 10 contre 11 et avec ce but encaissé. Un petit peu faussé, donc le score est même sévère du coup avec les prolongations, mais pour tenir, c'est les 90 minutes. Les conditions météo étaient dantesques quand même. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est pour les deux équipes. Hein, donc le terrain était compliqué pour les deux équipes, tout était compliqué. Mais on a quand même vu un vrai match de foot et je pense que les gens ont pris du plaisir à voir un match, Mais là, c'est un joueur qui est à terre dans la surface de réparation qui couvre tout le monde. Donc forcément, l'arbitre va jouer pendant 15-20 secondes. C'est ça qui est énervant. J'ai jamais vu. Un joueur qui sort dans la surface de réparation, l'année dernière, on doit arrêter le jeu. Et l'adversaire n'a pas sorti le ballon non plus. Et prendre le quatrième but sur un coup comme ça, ça fait très mal. Pour marquer ce quatrième but, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on perdait 3-0 à 20 minutes de jeu. Et puis qu'on a réussi à égaliser. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. C'est vraiment une grosse performance, mais après c'est sûr qu'il reste de près par rapport aux prolongations où il y a eu des événements un peu contraires, des décisions un peu contraires qui nous ont fait plonger.